petit jeu. Voilà. Petit jeu découverte. C'est un jeu qui se nomme The Tourist. Voilà, The Tourist qui est actuellement sur le Game Pass. Donc pareil, c'est des petits jeux indés assez sympas. En gros, vous êtes le touriste, hein. Le touriste qui visite une île et il se passe pas mal de choses sur cette île. Donc voilà, nous découvrons ça ensemble. Mes amours, je vous fais quand même des bisous entre deux, parce que je suis sympa. Donc on se retrouve sur The Tourist. Voilà, c'est parti pour la petite découverte du game. Allez, on est parti. On se met bien. Ah ouais, ah c'est énorme. Ah, c'est vraiment très très pixelisé quoi. Je veux dire, même à côté Minecraft c'est moins pixelisé que ça quoi. C'est... Hey salut bitch. Écoutez, je suis un vieux touriste sage. Je sais qu'il y a un secret ici sur cette île. Je vous aimais également les... Et vous aimez également les secrets, non? Faut d'abord savoir parler dans ce jeu, c'est important. Et on peut s'allonger, voilà. Voilà, voilà. Super. Oh, il y a un sauveteur en ligne. C'est dangereux de nager trop loin. Restez à proximité où je peux vous voir. Nice. Ok. Donc en fait, ça reste une île classique. Apparemment. Oh, salut ma petite dame. On raconte que la vue depuis le sommet du Towa Monument est à couper le souffle, mais seul un grand grimpeur peut y accéder. Non, attendez, mais moi je suis un grand grimpeur. Moi je suis un grand grimpeur. On est sur... Surnom. En tout cas la qualité en fait elle est pas trop mal malgré que ce soit pixelisé. J'aime bien. Arrêtez de t'asseoir là. Plus calme ici. Ok, on peut dormir sur un lit totalement sale, hein, on peut pas se le cacher. Ok, donc ça c'est notre petite maison en fait, notre petite, comment on dit, bah berlingot, mais vous avez compris ce que je voulais dire. Arrête de manger la boîte toi, non, Luna. Ok, ça suit. Voilà, très bien. On va aller, tac, à la boutique. Non, Luna. Non. Non. À la boutique. Et là, on peut acheter. Du coup, qu'est-ce qu'on peut acheter? L'escalade en solo pour les touristes. Reprenez la presse du grimpeur en solo en lisant ce livre idéal pour... De nouveaux sommets. Ah mais tout à fait, en fait d'accord. Pour avoir en fait les compétences, il va falloir acheter dans les boutiques. Bah ça se passe. Et bah moi je voudrais acheter ça, mais j'ai pas d'argent. Donc Et un nouveau client, consultez mes livres touristiques, on vous cherchera peut-être un appareil photo. Bah le problème c'est que c'est cher en fait, j'ai pas d'argent. Alors là le truc premier, il faut de l'argent. Comment faire pour de l'argent? C'est les petites pistes qu'on a vues, je crois, au-dessus. Voilà, tout à fait. Mais est-ce qu'on peut, genre... Allez! Nice! Hop! Ok, d'accord. Je vais aller acheter ce qu'il faut. Regardez la houppette. On a la houppette. C'est extraordinaire. Ok, mec. Je voudrais acheter ça. Yeah! Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Rien du tout. Donc du coup, on a la compétence. On peut sauter. Ah, attendez. Sauter, toucher. Automatiquement. Appuyer sur B pour relâcher. Ah là, d'accord. Yes! Bah voilà, c'était simple. Quelle facilité. Donc du coup, j'ai un penny. Voilà. Et non pas un pénis. Calmez-vous. Qu'est-ce qu'il y a ici? Le Tower Monument. Ce monument fait partie des plus vieux édifices préservés de cette région. Ses créateurs sont inconnus. Ah mais... Ah d'accord, ok. Pff, je suis un boulet là. Hop là. Et ça doit faire quelque chose. Ah ouais, d'accord, j'ai compris, mais j'ai tellement compris.
Par contre, je me rappelle plus du tout. A few moments later. Voilà, super. Alors, quand t'es devant, donc en bas à gauche et les deux du haut. En bas à gauche et deux du haut, c'est parti. Bah, il peut pas courir ce boulet ou comment ça se passe? Ah, il peut pas courir. C'est un boulet. Allez, tu peux le faire. Allez, Didier. On va l'appeler Didier. Alors, donc on a dit ça. Clac, clac. Hop, 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 hop. Ah, purée de mousseline. Et voilà. Ouh, yeah. Et du coup, on va avoir normalement, si je me trompe pas, les 5 pièces pour avoir l'appareil photo. Nice, good job. Allez. Oh, oh, what the fuck is that? Bonjour. Oh, oh, j'aime bien. Vas-y, avance. Allez, allez, allez. Ouais, yes, ok. C'est très bizarre, en tout cas. C'est assez étrange. Ah, d'accord, ok. Comprendo. Est-ce que t'as compris ce qu'il fallait faire? Ou alors, c'est pas assez... Allez, dépêche-toi! C'est bon, là! Oui. Qu'est-ce qui se passe, c'est quoi? Je prends. Ah, attendez! Est-ce qu'on peut... pas prendre. Ah, attendez, il y a une visière là, je sais pas quoi là. Ah, d'accord, ok, trop cool. Trop trop bien. Par contre, c'est mal foutu, voilà. Je voudrais le lancer. Yes. Tac. C'est assez étrange hein, comme jeu, c'est assez marrant, j'aime bien. J'aime bien le principe déjà. Et en fait, le pixel en soi, il est vraiment bien fait. Oh! Salut mon gars! Ça doit faire des années que tu dois être là, le pot. Voilà, vous avez pu franchir l'entrée secrète du monument. Ah non, c'est le mec qui était allongé en fait sur la plage. J'espère que vous n'avez pas rencontré de problème. Ce serpent, je vais. Allez, je vais bien. Je suis certain que vous avez d'autres questions, mais commencez par sauter sur le socle lumineux. Yeah. Écoute, je fais comme tu me dis. Enfin, j'essaie du moins de sauter comme tu me dis. Quel jeu de lumière cette projection holographique. Le graphique semblait indiquer un autre monument. Rapportez-moi ce que vous avez trouvé à l'intérieur. Est-ce que vous direz sur tout ceci c'est que... Ok. Prenez le guide du voyage, il vous aidera. D'accord. Ibiza, allez. Moi j'aime bien. Et en fait, chaque monument, en fait, il y a des monuments sur chaque île, à mon avis, il va falloir les découvrir, les secrets, tout ça. Voilà. Alors, maintenant, j'ai pu l'escalader, est-ce que je suis sûre pas? Montrer le guide de voyage. Est-ce qu'on lui fait confiance? Vas-y, on lui fait confiance. Allez, faire la fête, l'endroit il faut. Pour aller là-bas, il suffit de parler au capitaine. Ok, mais je pense que je vais aller chercher l'appareil photo. Alors, nous allons acheter l'appareil photo. Mais est-ce qu'il va être utile? Vas-y, clairement, je le prends. Ah, c'est pour gagner de l'argent en plus. On immortalise en fait les monuments merveilleux. Très bien. J'ai besoin de photos de cartes postales. Non, ça va. Ok, ok, d'accord. Donc on va l'aider en fait à prendre des photos, tout simplement. À prendre des photos de monuments pour lui rapporter de la thune. Alors comment on fait? L'appareil photo. Ah, c'est trop fort. Le tower. Hey.
Bon, elle est pas très belle la photo, on va pas se le cacher. Ouais, elle est dégueulasse la photo, elle est dégueulasse, mais... Non, c'est... Voilà, bon. Alors, bon, je vais aller voir quand même, savoir si ça lui convient, juste comme ça. Savoir si je gagne ma thune ou pas du tout. Ouais, je te montre la photo. Mais... Désolée, mais la mienne, vous avez pas de nouvelle photo. Non mais attends, là, je viens de faire une superbe photo, super magnifique. Ok, d'accord. J'ai compris. Je vais reprendre une photo. Alors, je pense que comme ça... Là, on est sur quelque chose, là, je pense. Là, ah oui, d'accord. Ok, faut que ce soit entouré par les petits traits blancs, là. Ah, pardon. Hop là. Allez. Là, c'est bon, il va être content. S'il te plaise, j'ai une nouvelle photo. Yeah. Ah, et c'est pas mal, 4. 4 PO pour chaque monument. Moi, je dis, ouais, j'aime ça. Est-ce que lui est un monument? Est-ce qu'on peut le prendre en photo? Attendez. Pour le troll. Hein. Pas du tout. Eh, oh, il est belle cette photo-là, comme ça, là. Oh là là, je crois que je vais devenir photographe, c'est pas possible. Ou pas du tout, hein. Voilà. Allez voir le capitaine. Ouais, hein, j'ai besoin de votre temps supplémentaire. Montrez le guide de voyage. Enfin, Ibiza. Allez, c'est parti. Nous allons vers Ibiza. Savoir les secrets du monde. Enfin, surtout de l'île, quoi. Yeah. Allez, laisse-moi tranquille. Préparez-vous à faire la fête. Bon, en même temps, on a Ibiza. Hein. Putain, la vache, par contre, c'est assez désolé. Ah. Alors. Un ascenseur là-bas. Ouh. La teuf là-bas. Allez, on y va. Waouh. Waouh, l'ambiance est folle. Incroyable. C'est incroyable. Et on peut danser aussi. Limite, je bouge plus mon corps que les autres. Regardez, c'est affligeant. Donne-moi cette tête. Donne-moi cette belle tête, là. Regarde ce corps cubique, là, qui bouge en boule. Magnifique. Ça suffit. Arrête. Partie Mether. Alors, attends. Désolée, mais je n'ai pas le temps de parler. Je dois tout d'abord me charger de l'ambiance de cette île. Ah bah, faudra peut-être que tu t'améliores, là, mon petit gars. Merde. Allez! On met les lumières! Attendez, c'est pas mal, ça. On peut utiliser... Yeah! Wouhou! Et là, on est bien, non? Qu'est-ce qu'on rajouterait? J'ai besoin de soleil afin de faire... Ah, oh, d'accord, ok. Qu'est-ce que je mets d'autre? Et là, je danse? Non. Qu'est-ce que je pourrais faire? Si je lui dis... Non, il a toujours pas le temps. Je suis en train de lui faire une magnifique fête de malade. Et lui, s'en va les steaks. Très bien. Un smoothie. On a pas de fruits. On a donc aucun smoothie à vendre. Puis-je vous aider? Prenez votre aide. Il y a plusieurs types de fruits sur cette île. Consultez cette recette de smoothie et trouvez tous les fruits dont j'ai besoin. Très bien. Donc, il faudra trouver des fruits. Oh, on a trouvé... Eh, magnifique. Les toilettes. Nice. Donc, faut qu'on trouve des fruits. Et qu'on finisse d'ambiancer. Ouais. Merde. Hop, on recommence. Hello. Ah, mais je suis un énorme boulet. Attendez, parce que je pense que je suis pas dans la bonne, bonne vue. Ou alors, c'est peut-être parce que je suis mauvaise, en fait. Oh, ça se pourrait bien. Bon, ok, on laisse la petite pièce, elle est très bien là où elle est. Non, mais là, c'est pareil en fait, mais faut faire des sauts beaucoup plus grands. Normalement, il y a des fruits ici. Ah, il y a quoi là? C'est quoi ça? Ah, ok.
On fait tout le tour, attendez. Hop, 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 hop. C'est trop mignon, j'aime tellement. Oh, c'est pas encore ça. Allez, on va tout au fond. C'est parti. A few moments later. Attends, c'est long. C'est long. Hey, salut. C'est son entraînement pour footballeur professionnel de vacances. Ah si, je vais m'entraîner, je suis une malade. Ah d'accord, les footballeurs et pas les touristes. Se fout de ma tête en fait. D'accord, ok. Donc je me tape 300 km de plage pour que tu me dises bah non, t'es pas un footballeur, t'es un simple touriste. Hey, attendez, on va peut-être aller là-dessus. Ouais, des pièces, mais attendez. Ça marche pas. Pourquoi je peux pas aller? C'est l'abusation totale. Mais j'en peux pas. Je n'ai pas assez de... Non. Téléphone. Ça, c'est ce que nous sommes là pour vous aider. Temps de jeu, contact, distance parcourue. Qu'est-ce que c'est tout ça? Temps de jeu. Ça fait... Ah, d'accord. C'est un peu... Ouais, on s'en fiche un petit peu, mais en gros, tu peux tout savoir ce que tu fais et tout. Bonjour, bienvenue au RDK Monument. Je suis DG, mais nous ne sommes fermés en raison de fête sur la plage. C'est important. Bah, bien, c'est... Ouais, peut-être vous rendre un petit service. Apportez-moi une boisson fraîche et fruitée. D'accord. Très bien, très bien. J'ai compris. Il faut des fruits. Il faut du fruit pour les smoothies. Hey. Mon détecteur de métaux indique des pièces sur les plages dans les environs. Il va y avoir des pièces cachées dans le sable à proximité. Et tu peux pas me le prêter, tu vois? Non? Ok. Non, mais il s'en fout. Par contre, vas-y pour trouver des fruits, hein. C'est quoi ça par terre? Qu'est-ce que c'est? Hey! Ce serait pas une pastèque? Ok, c'est une pastèque. Go la pastèque! C'est parti, on la donne à la dame. Comme ça, elle est contente, elle va pouvoir faire des smoothies. Des smoothies! Tiens. Alors, il lui faut deux pastèques. Ah, j'ai trouvé une espèce de pomme, là. Hop là. Non, c'est une fraise. Pas une pomme. Hein. Une pomme en même temps dans le sable. Bon, remarque, des fraises dans le sable. Bon. Ça paraît un peu bizarre quand même. Donc il nous faut la deuxième pastèque. C'est quoi qu'il y a dans l'eau? Oh, il y a une bouteille. Oh là là, mais ce jeu est plein de rebondissements. Pas du tout. Elle est là. Je l'ai. Prenez ce smoothie russien en récompense. Nice. Yes! Donc on va pouvoir le donner au mec. Au mec là-bas. Vu qu'on ne sait pas encore la dernière chose à faire pour finir la fête en fait. Ou alors c'est peut-être plusieurs choix. Je ne sais pas. Merci pour le smoothie. Maintenant vous pouvez monter. Yeah, nous pouvons monter dans le monument. Clac! Et nous sommes arrivés au monument! What the fuck is that? Et donc, nous arrêtons là pour cette petite découverte de ce petit jeu totalement pixelisé et qui est vraiment intéressant, en fait. Plus on avance, en fait, plus on a envie de découvrir des nouvelles choses, acquérir de nouveaux objets pour faire plus de photos, etc. etc. Franchement, c'est pas trop mal pour un jeu comme ça, un petit jeu indé. C'est super sympa, donc c'est sur le Game Pass. Donc voilà, n'hésitez pas à faire ce petit jeu, au moins à le tester si vous l'avez. C'est super attrayant, c'est tout calme, c'est tout mignon, tout mignonné comme je dis. Sur ce, je vous fais de gros bisous, voilà partout. J'espère que cette petite découverte de ce jeu vous a fait plaisir. Je vous dis à la prochaine vidéo.